Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez qui on a retrouvé, notre bon vieux Joey is back. Voilà, du coup, il est là à la maison pour quelques jours. Il nous a... Attendez, il nous a mis même le petit matcha et tout, parce qu'il connaît nos petites habitudes. Ça, c'est vraiment génial. Aujourd'hui, on doit faire Halloween avec les enfants. Dans la résidence, donc là ils sont à l'école, on s'est réveillés, école, et après je vous avoue je me suis recouchée parce qu'en fait j'étais claquée et que mon coach il m'a dit je suis malade. Donc j'ai dit oh putain il est trop bien qu'il est malade. Donc pas de paddle mais j'avais trop envie de me rendormir, la nuit d'hier 4h, la nuit d'aujourd'hui c'était 4h aussi, c'est bon à un moment donné je vais crever, il faut que je dorme. Donc j'étais contente, donc je me suis rendormie 2h là, il est 11h30 du coup ça m'a fait du bien. Après on récupère les enfants, on a du coup l'Halloween avec Thiago, Aaron, tous leurs copains et tout, ils viennent tous dans ma résidence parce que c'est vrai dans ma résidence Halloween c'est trop bien, c'est une résidence et du coup bah, c'est safe pour les enfants, ils peuvent marcher et tout, voilà. Donc là les enfants je vous garantis, il y en a Caro de chez Caro parce que je leur ai dit qu'ils allaient chercher les bonbons, il fallait être sage. Voilà. Réception du jour, je suis trop contente. Non mais regardez, j'ai reçu plein de pépites à Paradjan, je vous montrerai tout ça mieux. Mais franchement, trop beau. Vraiment. Votre chauffeur est de retour. Ah les habits. Ouais. Encore. Encore. En train de faire Halloween dans la résidence, je vous explique, on a tellement d'enfants qui dépouillent toutes les maisons. Regardez le nombre d'enfants qu'on a avec nous. Ouais, il y en a partout. Vraiment trop bien parce que là ça fait vraiment genre à l'américaine, tu sais, t'es dans un camping et tout, t'as tous les enfants, ils toquent dans toutes les maisons. Ça fait vraiment comme dans les séries américaines, c'est trop stylé. Et puis au moins il n'y a pas les dangers de la route, enfin bon, on est dans une résidence, hein, mais je veux dire c'est... C'est calme quoi. On vient de sonner dans notre ancienne maison, c'était drôle. C'est un peu bizarre parce que nos enfants ils sont nés là quoi. Enfin, trop bizarre, les deux ils ont été dans cette maison. Et du coup ils ont sonné. Trop rigolo. Allez. Ça t'a plu mon amour cet Halloween? C'était génial. On s'est bien régalé. Et là voilà, on rentre à la maison. Elle est où ma petite sorcière? Elle a le... T'as fait une belle pêche toi? Fais voir ta petite pêche. Oh là là, tout ce que tu as. Et toi? Ouh, ben dis donc. Allez, Halloween terminé, on rentre à la maison. Et les petits vont aller faire la douche. Nous, on fait l'Halloween un peu tôt. Là, il y a tout le monde qui commence à sortir. Je sais pas si comme ils sont petits, nous, ils vont faire dodo. La résidence, on est full enfant de partout. Il y a des... J'adore, c'est trop à l'américaine. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a des meutes comme ça de partout. C'est génial. Trop confortable. Regardez-moi les deux. Ils sont dans la chambre et Thibaut lui dit tu veux que je t'habille et tout machin. Thibaut c'est un habilleur, il l'adore en ce moment. J'ai toujours aimé la salle. Ouais il adore. Elles sont très jolies. On va aller se faire un petit resto, on va promener Joey. On va les placer ce soir. Si c'était que de moi, je dormirais à 9h du soir. Mais bon, comme on vient de jouer, on n'en a pas tous les jours à la maison. Du coup, on va aller manger dehors. Ouais. Et il n'a jamais vu le Fontaine Chou à Dubaï. Donc, on va l'emmener au Fontaine Chou à Dubaï. Voilà. Les deux services mettent nickel, ceux-là, tu voyages crème. Jamais vu. Tu fais que les maintenant. Oh là là, t'as pris un de mes préférés. T'as pris genre le jasmin, je l'adore. Et caramel beurre salé, tu vas adorer. Et biscuits et mimosa, j'adore. C'est des odeurs que j'aime, kiffe trop. Je trouve ça hyper dommage parce que c'est un seul jour dans l'année et c'est tellement mignon. Tu vois des petits habillés en squelette, des petites sorcières et tout, c'est tout choupi. Et je trouve ça cool du coup de jouer le jeu. Bon, après, il va arriver une heure là où je vais mettre un panneau devant chez moi et marquer Don't Ring the Bell parce que, genre, il faut pas les petits dorment. Mais voilà, je trouve que c'est sympa, c'est cool quoi. Bon, après, il y a des maisons qui ne décorent pas dans notre résidence, ça veut dire venez pas. Et il y a ceux qui décorent et on sait qu'on peut y aller. Donc voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît, mais c'est chouette. Je trouve que c'est triste que toutes les traditions se perdent, tous les trucs et tout. Là, jamais, ça fait trop à l'américaine, j'adore. Non, jamais de la vie, il se souvient pas du tout, il était beaucoup trop petit. On l'a déménagé, peut-être il avait 3 ans. Ouais, parce qu'il a 5 ans, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on l'a déménagé, donc non, il se souvient pas du tout. Il avait 3 ans, il se souvient pas.
Non, alors pas du tout. Manon et Julien, ils habitent beaucoup plus loin de chez moi. Ils habitent pas du tout à côté. Mais étant donné que dans ma résidence, c'est Halloween, c'est trop bien, les maisons sont décorées, que c'est génial et tout, que c'est trop adapté, du coup, ils viennent à la maison. Voilà. Donc, j'ai fait venir plein de gens. Donc, ils viennent tous et après, on part tous ensemble, tout simplement. Qui est Joey? Joey, c'est un copain de mon mari qui habite à l'île Maurice. Mon mari, il a un groupe de copains qui habitent à l'île Maurice et du coup, Joey en fait partie. Et moi, je le connais depuis maintenant quelques mois et je l'aime beaucoup. Regardez mon bracelet que je porte toujours sur moi et qui me détecte tout mon sommeil et mon sport. Non, mais quand je vous dis que je suis claquée, regardez, récupération, je suis à 5% de récupération. Mon sommeil est à 33% sur 100, hein, donc c'est vraiment pas beaucoup. Il manque beaucoup de sommeil. Ici, le truc santé, comme je suis hyper fatiguée, du coup, ça me met des battements de cœur plus rapides. Enfin, voilà quoi. Juste quand je vous dis que je suis claquée, c'est pas des lol. C'est vraiment. Rappel pour mes parfums de lessive Bajoie fabriqués en France. Vous avez des parfums de lessive et vous avez aussi les parfums de sol sur le site. Non, j'habite dans une résidence privée où tu dois donner ton numéro de téléphone, tous tes renseignements, et le numéro de la villa, etc. etc. Tout est sécurisé. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui rentre comme ça, sinon ce serait trop la fête. Non mais la blague, il a fait un TikTok je crois. Je suis pas sûre. Je crois qu'il a fait un TikTok, je suis pas sûre. Non mais sérieux? Toutes les portes ouvertes, les trucs par terre et tout. Non mais c'est une blague quoi. J'ai pas rangé. Ah ouais, le trépied et tout. Je suis bon. Ouais mais vous pouvez quand même me suivre sur TikTok du coup pour expliquer ce que j'ai fait un TikTok. Et vu que je suis TikToker maintenant, de métier, j'ai laissé le trépied parce que je comptais en refaire un. C'est faux, je mens. Écoute, je range de suite. Par contre, je vous ai expliqué sur mon TikTok comment j'ai habillé cette petite paire de sandales que je viens de recevoir, qui est très sympathique et qui va faire un super hiver avec moi. Bisous. Bisous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée d'Halloween, une superbe surprise pour vous. On vous offre la livraison sur Gilor et Bianouchi. En France métropolitaine, d'habitude on a un minimum d'achat pour avoir la livraison offerte. Là, vous l'avez offerte coûte que coûte, en point roulé. Donc profitez, ça vaut le coup. C'est le moment de vous procurer nos produits qui ont gagné lauréat des victoires de la beauté 2024-2025. On a la crème de jour, la mousse détox, l'essence. Victoire de la beauté, vous avez aussi tous les autres produits. Hein, je vous rappelle qu'ils sont tous fabriqués en France. Vous avez la gamme Bianouchi, donc les parfums. Ça, c'est tout basé sur les odeurs. Parfums mix, on a des bougies en 100% végétal. De plein d'odeurs différentes, ça vraiment, caramel, beurre salé, ma passion. Et le site Gilor et le site Bianouchi, profitez des frais de livraison offerts. Je pars en soirée, plouf plouf, ça sera toi que je choisirai au bout de 3, 1, 2, 3. Son mix tourne au parfum. Et vous avez aussi même la gamme bébé, sans alcool et hypoallergénique. Foncez. Quel bonheur. Les amis, je suis au restaurant, on est en train de manger et là, d'un coup, j'ai vu Saskia qui a mon parfum irremplaçable pour la sent de là. Il sent bon. Tu sens bon. Est-ce que il te plaît? Oui, je l'adore. Je suis trop contente. Tout le monde m'a dit qu'il sent très bon. Ah, je suis trop contente. Merci. Bon, eh bien, écoutez, j'aurais fait la fermeture du magasin, il y a tout qui est fermé. Je suis allée m'acheter quelques pulls, pas beaucoup, j'en ai pris deux et un ensemble. Ça c'est vraiment l'enseigne où je peux acheter tous les jours quoi. C'est vraiment la seule que j'aime bien rentrer et que je peux rentrer tout le temps, c'est Zara. Pas du tout une pub, mais voilà, je trouve que tout est beau, j'ai tout le temps des nouveaux trucs, c'est chouette. Bref, donc j'aurais fait la fermeture de mall. Hein. Je vais rejoindre Thibaut et Joey. Ce soir, je vais dormir. Je pense que je vais casser mon lit en deux. Bon, je vais toujours pas rattraper mon sommeil, c'est mort parce qu'il est déjà minuit. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des périodes où on dort moins que d'autres et d'autres plus que d'autres. Mais là, j'avoue que j'ai hâte de me faire une soirée dans mon lit. Mais bon, là, quand même, à Joe et tout, c'est pas pareil. Mais j'avoue que j'ai hâte de me mettre dans le lit à 19h30. Parce que comme les enfants ils se couchent à 19h30, nous sûrement on peut se coucher aussi à 18h30. Parce que d'habitude on mange en même temps qu'eux à 18h. Donc des fois ça m'arrive d'aller me coucher à 19h30.
Bah là, j'ai hâte, ce moment.